Star Academy, une ancienne élève surface, la toile exulte. De l'eau a coulé sous les ponts depuis la première saison de Star Academy. À l'instar de Johnny Fay. De nombreux autres Star Académiciens ont connu une trajectoire qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et c'est notamment le cas de certains candidats de la troisième saison du télécrochet de TF1. Luc Delcourt, par exemple, a continué une carrière sur les plateaux de télévision après son élimination. Le jeune homme a déserté Paris pour conquérir Hollywood. On a pu le voir danser aux côtés de Britney Spears dans le clip de sa chanson Radar. Les téléspectateurs ont pu le voir dans plusieurs séries à succès telles que Les Experts Miami, La vie devant nous, BD flamboyant ou encore Sous le soleil. Autre personne à avoir connu le succès après son passage dans la Star Academy, Aurélie Conaté. La chanteuse s'est illustrée dans plusieurs comédies musicales, mais également à la télévision où elle a obtenu un rôle récurrent dans Camping Paradis, aux côtés de Laurent Ournac. Ce dimanche 6 novembre, Luc Delcourt a partagé une photo qui a ravi le cœur des internautes. Sur le cliché, l'artiste âgé de 43 ans pose aux côtés d'Aurélie Conaté et Morgane Matty. Si son prénom vous dit quelque chose, c'est normal. Elle a également participé à la Star Academy en 2003. Après son passage remarqué dans l'émission de la première chaîne, la jeune femme a totalement changé de vie. À commencer par son nom et prénom. Aujourd'hui, l'ancienne pensionnaire du château de Damary-les-Lys s'appelle Anne Tillois. Celle qui faisait de la batterie dans la Star Academy, a poursuivi ses rêves en devenant une actrice spécialisée dans le doublage. Elle est la voix française officielle de l'actrice Amy Rossum dans Shameless, Daniela Alonso dans Révolution ou encore Cathy Cassidy dans Arrow. Côté cœur. La jeune femme est en couple avec Emmanuel Curtil, lui aussi comédien doubleur. Comme le révèle Pure Peuple, le couple a accueilli un petit Gaston il y a plusieurs années de cela. Sur Instagram, les internautes n'ont pas contenu leur joie en revoyant l'ancienne star académicienne aux côtés d'anciens camarades. Quel plaisir de revoir Morgane, wow Morgane, je suis choquée, elle est toujours aussi belle. Elle est magnifique, ça a toujours été ma préférée de cette saison, désolé les autres. Oh c'est Morgane, que devient-elle, ont-ils écrit, pris par l'émotion. Élodie Frégé n'a pas résisté à l'envie de commenter cette photo retrouvaille à laquelle elle n'a pas été conviée. Les beautés, a-t-elle écrit hier soir, peu après sa prestation en direct sur le plateau de la Star Academy. À quand une réunion tous les quatre? La toile s'impatiente. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.